Et bonsoir tout le monde, c'est Picti, bienvenue pour ce 21ème épisode sur Final Fantasy XII. Et oh, il y a une petite notice numéro 2. Si vous rencontrez des monstres dans la mine, retirez-vous sur le champ, une équipe spécialisée interviendra dans le meilleur des délais. La devise de la semaine, prudence et mère de sûreté. Armée impériale, direction des ressources. Merci pour ce conseil incroyable, enculé de merde. Bon. Et dans le dernier épisode, on était donc dans les mines de haine pour retrouver Mjren. Voilà, M-J-R-N, Mjren. Il faut qu'on retrouve Mjren, qui est quelqu'un d'important pour Fran, j'imagine. Mais en tout cas, faut la retrouver. Je sais plus, c'est peut-être sa sœur ou une connerie comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, on l'avait vu là. Du coup, on va se diriger ici, hein, tout simplement. On l'avait vu complètement cinglé, complètement défoncé. Ah bah tiens, la voilà. Qu'est-ce ça? Oh loul, bonjour. Et pourquoi il nous attire par là, la pute? Un brrrr. Oui. Oh, c'est Tiamat. Le Tiamat. Bonjour, Tiamat. On va peut-être le voler. Bolsir, aide-moi à voler, pas toi. Toi t'es pas Bolfir. Bolfir, t'es trop loin. Une super potion, il n'a plus rien à voler. On va péter la gueule, enfoiré. Il a l'air un peu nul, hein. Allez, mon gros. Tape comme une petite fille, mon gros. Oh mon dieu, il fait un sort d'air. Oh là là, sur Larsa, dis donc. Et quand même, le soin 2 qui est rendu 1040, c'est quand même énormissime. À ta griffe. Oulala, triple hit, c'est pas bien ça. Ouah, Nécrose sur Larsa. Ça fait quoi Nécrose déjà? Je ne sais plus. C'est pas genre... Ah oui, il perd des PV au fil du temps, c'est ça. Hein. C'est de la merde. Au pire, on va le guérir. Soigne donc la Nécrose de ce pauvre Larsa. Oh le triple hit, oh le 4 hit, oh le 4 hit de Van, oh le triple hit de Larsa. Ah il est en état de danger, alors est-ce que... Quelqu'un a la compétence capturée? Tu l'as pas toi? T'as beaucoup de techniques. T'as pas capturé? Que? Coup aveugle, point faible, affaiblir, allonge, casse-cou, sap, machin, don de vie, machin, coup du pèlerin, capturer. Putain, il a pas le con! Personne ne peut la prendre? Non. Merde. Ça aurait été bien qu'on le capture, ce coup. Capturer, ça nous donne un objet en plus quand il est en état de danger. Hein. Le combattre à Ocean. T'es nul! Triple hit, 4 hits, 5 hits, 5 hits au katana! J'ai claqué l'ulti, voilà. En mode Genji. Oh la super potion de Larsa, what the fuck! Oh, il balance encore de la super. Double hit, inaction 2. Oh non, pas inaction! Oui, c'est raté. Ouf! Inaction, c'est tellement fort. Oh, le soin 2 de Van qui proc. Balsir qui est dans son coin pendant ce temps et qui voilà, il se fait tout petit. Rip, tu me donnes combien d'XP? Moi, ce qui m'apporte, c'est l'XP et les PP, hein, bien entendu.
Van qui boit un coup de sa gourde. Par contre, Larsa qui fait tellement tâche. Marre-toi, enfoiré Larsa. Je veux pas de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la main? Ouah! Nécessite artificielle! Ah, cassé. Je crois qu'elle est possédée. Oh, le ralenti. Oh! Fracture crânienne. That thing inside her, what was it? Jiren. Is it you? Non. Ça sent encore des cinématiques pendant 50 ans. The village took small heed of them. So long as the wood herself is safe from harm, the Viera give little care to goings on beyond her. But in me, an uneasiness stirred. I had to discover why they had come. So you came here hoping to find something out and got yourself caught. You're as foolhardy as your sister. Ah, c'est bien sa sœur. They took me then, and set close beside me a stone. They said its mist would be drawn into me, that the Viera well suited this end. I saw the light coming from the stone, and then... We have seen this. On Leviathan, the mist released from the Dawn Shard drove me too into such a rage. She was taken not by the Dawn Shard. Manufactured Nethicite. Then that means, Panella, the stone I gave you, do you still carry it with you? Sure, it's right here. Prends ça plus délicatement, enculé. This is a thing more dangerous again than I had imagined. I should never have given it to you. Forgive me, I didn't know. I'd always thought of it as sort of a good luck charm. And even if it is dangerous, on Leviathan it kept us safe. La tête de Van, genre, mais putain, mais genre, il a plus ses chances, lui, que moi, avec Penelo, j'y crois pas. I hope you're right about that. N'empêche, je suis en train de me dire que mes épisodes sont très mal structurés, puisque moi, je coupe un épisode à... juste avant un boss, et je commence l'épisode à un boss. Ce qui devrait être complètement l'inverse, quoi. Coucou, c'est Mjrin. Oh, les enfants de la forêt et les filles complètement possédées derrière. J'ai entendu les woods whispers. Take it. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. To other places go. That cannot be all. Connasse. I saw it when I left the village. Ivalice is changing. How can the Viera stand and do nothing at all? Ivalice is for the Humes. The wood alone is for us. But that is wrong. How can we just hide here in the trees when all the world outside is on the move? I too wish to live freely. To leave this wood. Do not do this. You must remain away from the Humes. C'est des connards. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister... I am no longer of you. I have discarded wood and village. I won my freedom.
Yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. This solitude you want, Mieren? Mieren? Sister. No, Mieren. Only one sister remains to you now. You must forget my existence. Oh, c'est dur là quand même. Ah, Fran, elle est dure. I'm sorry to make you do this. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Better I than one who must uphold these laws herself. Partez. I have a request. Listen to the wood's voice for me. I fear she hates. Tellement en transe quand elle écoute la forêt. J'ai entendu un écureuil. Voilà. C'était trop bien. The wood longs for you, for the child gone from under her boughs. A pleasant lie, that. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. I am as them now. Am I not? Goodbye, sister. Elles sont toutes sœurs, bordel. Vas-y, Balsir, rince-toi l'œil. Il est là, Balsir, genre, ouais, je protège ses arrières. Ouais. Oh merde, quoi. Bon, on a chopé une larme, mes couilles. Est-ce qu'on peut l'équiper? Parce qu'on a perdu le truc artificiel. Luciole empêche de gagner des points d'expérience. Ah oui, bah c'est très bien ça, dis donc. Enfin, ça dépend, ça peut être utile. Ça peut être utile d'un sens où. Imaginons, on a trois personnages. Sur les trois, il y en a qu'un qu'on veut augmenter. Si on en met deux, deux Lucioles aux deux personnages qu'on ne veut pas augmenter, est-ce qu'il récolte celui qui n'aura pas Luciole va prendre le point d'XP de tout le monde des deux autres qui ne peuvent pas avoir d'XP? À ce moment-là, ce serait super rentable, puisqu'on peut avoir trois persos pour combattre, et pex facilement, mais celui qui va avoir les points d'expérience, et bah il va monter super vite, quoi. Donc ça peut être super rentable, faut voir si ça fait ce que je pense, en fait. Bon, petite sauvegarde, hein. Au final, les mines de haine, on a sauvegarde, boss, et on se barre, voilà. Bon, et ben retournons dans la forêt, bonjour. Grâce à l'arme de Lanté, nous pouvons franchir la barrière de la jungle de Golmor et aller voir le grand pont de fif à Buromissas. Buromissas, c'est pas le truc sur la plage. Allons-y. Ah oui, les trains. Les trains. Bah du coup, on va par où en premier? Aucune idée. Larsa et Ash doivent aller à Buromissas, dépêchons. Bah oui, mais connard, hein, c'est... C'est là ou c'est là? Moi, je vais en bas. Hein. Moi, je vous le dis, je vais en bas. Hein. Non, moi j'ai dit je vais en bas. Ah ouais, d'accord, ça. Bling, bling. Oh, des comment c'est déjà? C'est quoi leur nom? Les Morbols.
Putain, j'adore ce livre. Oh, il loot des flacons de sel. C'est des joueurs de LOL. Des morbles. Les morbles. Les fameux morbles. La petite pop, 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 la petite pop, pop, la petite pop, pop. C'est par ici? Oui! Vous pouvez passer. Allez, salut! Oh, c'est quoi? Un morbol ancien! Wouah! Regardez, il a 60 ans! Bon, bah, même tarif, hein, excuse-moi. Ah, les licaons infernal. Inferno. Non, licaons infernal, j'avais bien raison. Mais bon, vu qu'ils sont plusieurs, ils sont un peu infernaux. Putain, il y a eu un 1100 critique là, de la part de Brawlseer. Ok, triple hit. D'accord, c'est bien pareil. Je suis jamais sûr. Faudrait que j'ai une petite map à côté de moi sur un autre écran, ce serait formidable. C'est des panthères, mais en... C'est quoi, des guépards? Des curls. Ah, c'est ça, les curls. Il a voulu réduire H au silence, au chilanche. Il a vu que c'était la heal. Oh, il a voulu se lancer soin d'eux. Ah ouais, d'accord. Les curls, ils sont stratégiques, hein. Oh, l'attaque griffe, il fait mal quand même. L'attaque griffe d'un curl fait plus mal que celle d'un Tiamat quand même. Hein. Je dis ça, voilà, j'y ai rien quelque part. Hein. Tata, putain, mais ils font mal. What the hell? Il me met la bite. Aïe. S'il vous plaît. Voilà. Narsa, tu prends l'agro, hein. Je te fais confiance. On en finit un, merci, bien joué Van. Sommeil, lenteur. Oh d'accord. Attends. Je crois qu'il m'a mis tous les debuffs du monde là. On te met tous les debuffs du monde. Et j'espère que tu ne feras rien. Tu seras endormi, silence, lenteur. Et tu auras ça au quotidien. J'ai encore la lenteur, mais ça on ne peut pas l'enlever. À part si je me mets le buff célérité, il me semble. Allez bim. Prends-toi ça dans ta gueule. Oh, regardez un dino! Un allosaure. Allosaure Vord. Oh, il sort de la mer celui-là, dis donc, il a des. Des bronchites. Bon, il a l'air aussi nouveau que les autres par contre. Hein. On a plus peur, nous, des dinosaures, hein, par les couilles. Hein. Blah! 2 pp, 710 xp. Alors, c'est par ici, on va voir par où ça nous mène. Le bois des charmes. Ça ne me dit rien qui vaille cette zone. Ah! Oh, le piège de mort. Il m'a fait trop peur. Je crois que c'est une zone assez haut level où il y a par contre de l'XP à se faire. Tomate hargneuse. On va voir s'ils sont HL ou pas. Ouais, ils sont HL! Ah! Ils mettent trop cher! On se casse!
Ah mais il en a pris la bite là, hein. Il m'a mis du 400, 700, non mais oh, c'est des tomates. Ah mais les mecs, c'est des tomates. À un moment, faut se calmer, les mecs. Bon, on va continuer à visiter pour voir si on loupe pas des coffres où il y aurait du stuff étonnant. Eh ben merci, j'ai la sclérose maintenant. Ah, je prends la bite. H. Ah, H n'a plus de mana, d'accord. On va prendre Bosch. Oh mais non, mais il se soigne, c'est pouilleux. Oh, l'esquive de mort. Bien joué, ça. Il esquive tout. Voilà. Mais pète-lui la gueule, Bosch. Voilà. Non mais dis donc, tu as pas la tête là? On va se laisser faire par des curls. Merci la super potion Larsa, tu gères. La super potion Larsa? Merci. Oh, le soin de Bolsir. On peut terminer un mec. Voilà. Finally. C'est dur hein, d'en tuer un. Un éclat de portail. Oh, le bouclier doré, regardez-moi ce bouclier. Étonnant. Dégage. Alors, on n'a pas visité par là, ouais. Enfoiré de merde! Il est tellement beau. J'adore son design. J'adore ses sprites de couleur. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi ces petits... nuage électrique super saiyan qui sort de son corps. Larsa est mort. On a réussi la mission, bien joué. Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Level up. Non, Bash, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai pas autorisé à faire ça, Bash. Mais il a pas de PV comparé à nous, Larsa. 1030, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Aïe. Oh, il est vénère. Ah, Bash, quand on tue H à côté de lui, il est tout de suite très énervé. Hein. Ah, elle a été ressuscitée par Bolsir, d'accord. Bolsir qui prend soin de la vie de H. Il faudra un peu qu'on régène mana. On galère un petit peu. Ah putain, mais ils sont toujours deux par deux. Ils sont chiants. Mais ils sont trop loin pour... Mais ils se soignent... Mais ils ont rien à foutre de nos gueules, hein. On peut compter que sur nous-mêmes, hein. Oh, le palier. Ouais, elle est un peu trop au level. On va prendre cette compo là. Qui c'est que ça? Squelette ténébreux. Mais d'où tu sors toi? Mais dis donc. Putain, il a mis cher là. Il nous a niqué notre chaîne, cet enfoiré, il sort de nulle part. Bah dis donc. Pas très sympa ça. Squelette ténébreux qui sort de nowhere. Bon, il va y avoir du monde à buter là par contre. Je me permets d'accélérer un petit peu. Oh, il y a le lancien qui est là.
Et l'Arsac est mort, yes! Et Lilo, non! Level up, putain! Il se passe tellement de choses. Bon, allez, on va aller par là. Un coffre! Une potion, c'est de la merde! Oh, l'Arsac se fait gang-bang de soins. Mais il fail tout, Bash! Oh la parade! Aïe! C'est tellement le bordel, tous les soins qui. Tous les soins qui pop de partout! C'est moi ou Pénélo ne se heal pas? Merde, c'est pas ça que je vais faire. Des morbules. Ils ont même pas le temps de caster un truc. J'ai rien dit. Putain, j'ai lenteur, c'est chiant. Ouais, bah on n'a pas été par là, on va y aller. Il y a beaucoup de licaons. Ok, ça se passe bien, ils étaient trois, on les gère tranquillement. Et le voilà. Une casquette rouge. C'est-à-dire, c'est pour qui ça? Tiens d'ailleurs, on va peut-être optimiser le stuff de frappe. Allez, on va le mettre à Fran. Mais attends, toi, tu peux mettre un béret vert? Ah, mais non, ça fait perdre de la force. Un éther doré. Je peux passer. Aïe. Merci les soins. Ça nous mène où? Là, ok, on ira par là, on fait ça, ok. Je pense qu'on va repasser vite fait par le village. Pour régène, tout simplement, faire une petite sauvegarde. Bon, les points de terre, elles sont nulles, comparé au curl. Parlez à la forêt. Attends, on a eu de la chance que le village se trouve ici quand même. Tu vends pas des nouveaux trucs toi? Poison 2. Oh! Oh, ils vont célérité! Oh my god!
Lévitation aussi, c'est bien. Ah, mais c'est bien ça, putain, ils vont célériter le mec. On va sauvegarder. On a célérité, il faut sauvegarder. Lévitation aussi, ça nous permet de pas nous prendre les pièges. Après, c'est célérité 1, c'est pas tip top, je crois. Du coup, ce qu'il faut le faire à tout le monde, ouais, c'est chiant, c'est comme barrière en fait. C'est nul, j'ai rien dit. On le fera quand il y aura des boss importants, on mettra les buffs à tout le monde, etc. Par contre, c'est pas par là. Hein. Oui, c'est l'autre côté. Bon, butons un tréant. Juste parce qu'on est des connards. Un rondin. Oh bah ça c'est bien ça. J'imagine que c'est par là. C'est qui ça? Ah oui, c'est des gargouilles. Elles sont vraiment nulles ces gargouilles en plus. Bonjour. Une règle cylindrique? Ah ouais, alors ça c'est du putain de loot. Oh le berry. Non. La règle cylindrique c'est vraiment fort. Enfin ça donne des buffs quoi. Ah, bonjour. Cela fait déjà plusieurs années que des gens comme vous foulent le sol de la forêt, quand bien même ils n'y sont pas bien les venus. Certains viennent simplement y trouver refuge, mais d'autres lui veulent du mal. Ce sont ceux-là qui ont éveillé le trouble en Myrne. Mjren. Qu'elle ait quitté la forêt pour savoir ce qu'il lui voulait, m'étonne guère. Ouais, si tu le dis. Bon, je vais enlever le boost vu qu'on approche d'une nouvelle zone. Oh là. Qu'est-ce que ça? Mais bordel, y a que des dragons! Ah bah oui! Alors nous sommes contre un dragon ancestral bien entendu, et il y a deux tréants sur les côtés qui sont pas contents. Vole-le! Non, on attaque d'abord les tréants. Parce que eux, ils vont nous foutre des debuffs. Voilà, genre j'ai confusion. Et je m'attaque moi-même, voilà. Parfait. Vaut mieux que ce soit ça, comme ça j'ai plus confusion en fait, si je prends des dégâts. Alors, toi tu vas essayer de le voler cet enfoiré. Eh, tant que t'arrives pas à le voler, tu le voles. Hein. Voilà, un fruit succulent, c'est formidable. L'autre est en train de dormir. Oh merde, j'ai lenteur. Oh, fais chier. Au pire, j'ai lenteur. Mais Pénélo, t'es pas censé être... une magicienne. Voilà, voilà les pépés en plus. Mais dis donc, Pénélo.
Mais non, mais à quoi tu sers, Pénélo? Et merde alors. Magie temporelle. Temporelle, temporelle, temporelle. On va la trouver ou quoi, cette magie que je veux, là? Ben, on va pas la trouver. Voilà, célérité. Et au passage, tu vas prendre ça, puisque on les a maintenant. Bol cire. Tu vas apprendre à capturer. Et tu vas prendre un point de magie, voilà. Très utile pour toi, Balsir. Je le sais. Bon, ensuite, maintenant, toi. Magie temporelle, célérité sur... Bah, sur Bash. Et voilà. Et maintenant, j'attaque super vite, regardez. Bon, par contre, on va guérir l'autre con. What's happen? Oh my god! Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il nous fait caca dessus. On a tous son lenteur. What? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a Bolfir qui a rien. Tu connais guérison? Putain, Bolfir, tu connais pas guérison? Et on va te la prendre si, si on peut. J'ai dépensé. J'aurais. Je crois que j'ai dépensé. Oh merde, non! Bon, attendez. Je crois que le remède, ça guérit plein de trucs. Oui. Ensuite Pénélo, voilà, tu rêves. Ensuite Pénélo, tu guéris. C'est bien, Balfir en attendant il soigne. Voilà, l'autre con est mort. On le rêve, nickel. Mais il est déjà remort, Bash, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est le moment où on commence à lui bourrer la gueule à coup de mist? Je pense que oui. Hein. Je pense que là, il m'a un peu trop manqué de respect, cet enfoiré. Voilà, double influx de mist, comme ça, on pourra enchaîner juste après. Falcon Punch! Extermination de Bash juste après. Oh mon dieu. La danse du cul. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de merde? Franchement. Falcon Punch. Ça dure 50 ans et le Falcon Punch. Ça aussi, ça dure 50 ans. C'était close. Mais là j'ai fait je sais pas combien de trucs à deux, hein. Il y a moyen qu'on chope une nouvelle fusion qu'on n'a pas encore vue.
non. Bon, ça se terminera en 7 coups. On va terminer ça, sur Penelo qui fait sa danse du cul. Ya. Ya. J'ai fait un tourbillon sur moi-même, t'as vu? Waouh. La tempête. Ça lui a rien fait. Ça lui a quasiment rien fait. Ok, on est dans la merde. Équipe numéro 1 est demandée à l'accueil, équipe numéro 1, merci. Ah oui, merde. Ah bah oui, bah non. Bah oui, bah non. Van, tu dégages. Bon bah voilà, c'est bon, Van, tu peux venir. Il est balèze, ce con. Est-ce qu'il a des faiblesses, genre si je fais un feu d'eau dans sa gueule? Ah ouais, ça lui deal quand même. Hein. En vrai, j'aurais pu invoquer Belias. Hein. Ça aurait été fort. Hein. Peut-on enlever la cécité à l'Arsa? Oh, le 4 hit! Ah, attention, il nous fait sport! Non! Fuyez! C'est ça le truc casse-couille! Il va nous mettre tous les debuffs du monde. Oh. Non, avant fait des guérisons. Voilà, ça c'est GG. Oh, il est en état de choc. 2 secondes, Fran. C'est juste pour essayer de le capturer. Par contre, je crois que la capture, ça met 50 ans. Vraiment 50 ans à ce casse. Ah non, ça va. Immunisé. Ah bah il immunisait la capture, à ce qui paraît. C'est pas grave. Ah bah non, je peux plus. Merde. Aïe. Mais Gorez, l'ami Ivan là. Voilà. Allez, il est bientôt mort, on va le défoncer. Ah oui. On lui a pété le cul. C'est dingue que avec toutes les impulsions qu'on lui a balancées dans la gueule, ça ne lui a rien fait. Enfin quasiment rien. You die, bitch! Et voilà, ça redevient. De la pierre. Oh là là, il s'amuse avec son katana! La pose de merde qu'il a, Van, quand même. Encore un vieux papy. Je me suis caché une côte! Nice! Bon, bah voilà un boss qui était assez complexe, qui est fait. Enfin, complexe. C'est vrai qu'il était casse-couille, hein, il mettait des buffs des fois. Enfoiré! Je te baise! T'entends ça? On va régène par contre. C'est par où la régène? Ah oui, nous... ah bah, on n'était pas du tout arrivé à la zone, d'accord. Très bien, autant pour moi. Non mais je pense que dans tous les cas on va terminer l'épisode là-dessus, voilà, on va enfin terminer sur un boss. Donc j'espère que cet épisode numéro
Je suis pas sûr, c'est le 20 ou le 21? Je crois que c'est l'épisode numéro 21, donc j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis, portez-vous bien jusqu'à l'épisode numéro 22. Donc salut tout le monde.